Bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue chez Jean-Marc Joubert. Aurore, dites-moi ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, s'il vous plaît. Bah, j'aurais une coupe facile à coiffer le matin. Bah, j'aime pas les cheveux courts, donc je voudrais pas avoir les cheveux courts. Alors, après, niveau longueur, j'ai aucun problème. Donc en fait, ce que je vous propose, bien sûr, c'est une longueur qui va se situer à peu près ici. Vous voyez, sur des zones creuses, parce que je vais habiller votre visage comme un couturier pour habiller votre corps. Donc je vais travailler sur les zones creuses, sur les zones creuses ici, et sur les zones creuses là. Ensuite, les quelques cheveux blancs, eh bien, au travers d'une application de cette coloration qui sera dans la tonalité et le choix du produit Diacolor, parce que je veux garder la transparence et je veux bien sûr garder du mouvement, eh bien, je travaillerai en application globale. Pour la partie arrière et dessus tête, je vais simplement graduer et dégrader afin de donner un coiffure facile et de la légèreté. Eh bien, continuons. Donc Aurore, si on se reprend, donc on a en construction avant le brushing et pour le brushing, pour fabriquer la texture, on a dans la gamme Texture Expert, on a la crème Smoothie, qui elle va faciliter le coiffage, va canaliser le mouvement et catalyser le cheveu. Ça c'est avant. En finition, on va utiliser deux textures. Une texture sèche avec Infinium Lumière qui va permettre de canaliser encore une fois notre mouvement. À savoir si je veux détacher les quelques mèches largement effilées sur les bordures, eh bien je vais fixer avec Infinium Lumière. Et puis, si j'ai besoin de souligner un mouvement un peu plus fort, eh bien j'utiliserai Lumino Control ici, ce qui va nous permettre de donner du mouvement et de la texture. Voilà. Donc en fait, trois axes, un axe de construction et deux axes de finition. Oui, grâce à cette séance, je me sens plus à l'aise et franchement, là l'année commence bien et je pense que je vais entreprendre plein de choses que j'avais en tête et j'avais peut-être pas forcément suffisamment la pêche pour le faire et maintenant j'ai vraiment la pêche.